Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Le premier tutoriel de cette semaine était axé plutôt pour les débutants ou pour ceux qui voulaient se remettre facilement sur leur piano avec la bohème. Mais pour cette fin de semaine, j'ai choisi un morceau un petit peu plus avancé pour toucher un maximum de pianistes. On va donc voir ensemble comment jouer pas à pas Just the Two of Us. C'est un morceau que j'ai dû apprendre en vitesse pour l'anniversaire d'un pote hier et donc j'ai pu le chanter piano-voix, donc je vous le mets à profit sur la chaîne. Et en petit clin d'œil, c'est un morceau que Djilali a proposé sur le groupe et que beaucoup d'entre vous ont apprécié, donc c'est l'occasion de le montrer pas à pas. Ce tutoriel va se découper en trois parties. On va voir ensemble comment jouer pas à pas le riff de l'intro, qui se découpera en deux phrases musicales. Ensuite, on va avoir les accords pour jouer le couplet et le refrain. Et pour terminer, je vous montrerai comment jouer le super pont. Etc. Si tu es content de retrouver ce tutoriel, like juste en dessous avec un petit pouce bleu, ça te permettra de soutenir ma chaîne juste en un clic. Et si tu veux retrouver plus de cours sur le piano, n'oublie pas de regarder toutes les formations dans la description de la vidéo. On a donc une introduction qui se compose de deux phrases musicales. On commence par la première. On va commencer avec un arpège de Ré bémol majeur 7. À la main gauche, c'est facile, je vais avoir un Ré bémol. Ensuite, je vais faire quatre sons à la main droite, Ré bémol, Fa, La bémol et Do. Mais je vais tout arpéger. En même temps que le premier son, du petit doigt, je vais faire un petit rasoego comme à la guitare et je vais arpéger les quatre sons très rapidement. Et à la fin, de terminer le pouce sur un ré bémol, je vais faire un do. Ensuite, on va avoir la main gauche sur un do et à la main droite, on va jouer Si bémol et Mi. Ça nous donne un Do7. Donc je joue les trois sons en même temps, puis je viens chercher un Sol avec le troisième doigt à la main gauche. Et là, au choix, j'appuie sur deux notes, Do et Si bémol. Si c'est un peu trop grand, juste le Si bémol, ça suffit. Mais à la main gauche, je change la note pour un Mi bémol. Et je finis avec un Do au petit doigt. Avec le doigté. Ensuite, je vais avoir un accord de Fa mineur 7, donc Fa, la basse, à la main gauche, et Do, Mi bémol, La bémol, à la main droite. Ensuite, trois notes, Fa, Do, Fa. Et là, on va enchaîner avec deux accords. Un Mi bémol sus 4, avec Mi bémol, La bémol, Si bémol. Et ensuite, un La bémol 7, sans la quinte, donc La bémol, Do, Sol bémol, La bémol. Pour vous aider, vous pouvez retenir la composition des touches blanches et des touches noires pour retenir plus vite l'enchaînement. Tout le début de l'intro. Ensuite, je recommence et il n'y aura que la fin qui va changer. Je m'arrête sur le Fa et je vais chercher un accord de Fa mineur à l'octave. La bémol, Do,
et fa. Et ma première phrase sera finie. Je vous le joue lentement une fois, puis plus rapidement. Un peu plus vite. La deuxième phrase est plus facile, et la main gauche va jouer exactement la même chose. C'est la même ligne de basse que la première phrase. Mais à la main droite, on va avoir une autre mélodie. Donc, sur la base du Ré bémol, on va jouer un accord de Fa mineur et on va jouer avec le petit Ré bémol ici. L'accord Ré bémol, Do, Ré bémol, Do. Et quand je répète le Do, je vais appuyer sur deux sons, Mi et Sol, et je vais changer la basse. Ensuite, je répète le Ré bémol, et quand je joue le Do, je fais la basse sur le Mi. Ensuite, quand je vais jouer le Fa, je refais l'arpège de Fa mineur, et sur le Mi bémol, je vais jouer mon La bémol sus 4, La bémol, Ré bémol, Mi bémol, et quand je ferai le La bémol à la main gauche, je jouerai Do et Ré bémol. Je recommence. Et la fin de la mélodie change. On fait donc le Fa mineur, les deux sons, et avant de jouer le Mi, je jouerai une petite descente, Do, Si bémol, et quand je jouerai le La bémol, j'enfoncerai aussi le Fa, et je jouerai la basse sur Fa, pour me donner un Fa mineur. Et j'oublie pas le petit renversement de la fin. Et pour terminer cette intro, je vous enchaîne les deux phrases. See the crystal raindrops fall and the music of it all when the sun comes shining through. On va donc avoir les empreintes que l'on avait pour l'introduction. Notre accord de Ré bémol majeur 7 sur deux temps. Ensuite, un Do 7, Do à la main gauche et Do mi sol si bémol. On l'avait dans la bohème d'ailleurs, petit clin d'œil. Ensuite, un Fa mineur 7, Do, Mi bémol, Fa, La bémol. Et là, je retrouve mon Mi bémol sus 4 et mon La bémol 7, comme dans l'intro. I see a crystal when drum fall and the music of it all when the sun comes shining through. Et ça vous servira pour chaque couplet. Et pour chaque couplet, il enchaîne cette boucle deux fois.
see a crystal raindrop fall and the music of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, when I spend some time with you. Et on attaque le refrain. Donc le refrain va reprendre les accords 2 du couplet. Just the two of us, we can make it if we... Sauf qu'après le Fa, on va avoir une descente chromatique. Donc on aura le Fa, mineur 7, et à chaque fois on glisse d'une touche blanche. Donc on arrive sur un Mi mineur 7, Mi, Si, Ré, Mi, Sol. Ensuite on arrive sur le Mi bémol mineur 7, Si bémol, Ré bémol, Mi bémol, Sol bémol, que des touches noires. Et ensuite j'arrive sur le La qu'on avait tout à l'heure. Donc comme tout à l'heure, aidez-vous bien des touches blanches et des touches noires pour mémoriser les positions. Just the two of us, building castle in the sky. Just the two of us, you and I. Just the two of us, building castle in the sky. Just the two of us, you and I. La dernière partie de ce tutoriel, ce sera donc le pont. Normalement, il en joue une partie dans les aigus, et après il répète la même chose dans les sons plus graves. Comme on voit moins bien dans la partie aiguë, je vous montre ça et je vous explique ça dans les sons médiums, et ensuite ce sera à vous d'aller le chercher dans les aigus. On va avoir une ligne de basse chromatique qui démarre du ré bémol, do, si, si bémol, la bémol, je répète la bémol, et je clôture sur un mi bémol. Et pendant ce temps-là, à la main droite, on va faire les trois sons qui permettront à nos deux mains de faire un accord de 7. Donc ré bémol majeur 7, fa, la bémol, do. Donc je joue l'accord et ensuite j'arpège petit doigt, annulaire sur le si bémol, la bémol et fa. Ensuite je vais faire le do et mon pouce de la main droite va descendre d'une touche. J'appuie sur les trois sons et je joue si bémol, do. Et ce motif on va le répéter encore deux fois en changeant de position. Là on a un si bémol majeur 7, donc à la main droite, mi bémol, sol bémol, si bémol. Et je vais faire le même schéma. Je glisse mon pouce et ma main gauche. Je recommence. Et une dernière fois, on va avoir un accord de la majeur 7, la. Ré bémol, mi, sol bémol, ou plutôt do dièse, mi, sol dièse, et on fait le même motif. Et le pouce qui descend. Et là, je vais arpéger, toujours en maintenant le la sur la main gauche, fa et la bémol, et là, mi bémol, la bémol et mi. Pour clôturer, je vous enchaîne chaque partie et ensuite à vous de jouer. I see the
crystal raindrop fall and the music of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime I wanna spend some time with you just the two of us we can make it if we try just the two of us You and I. C'est tout pour ce tutoriel, si vous l'avez aimé, likez et laissez-moi votre petit commentaire juste en dessous. Si vous voulez aller plus loin, retrouvez tous mes cours de piano en ligne dans la description de la vidéo. À bientôt !